C'est pas, voilà, là on m'entend. Alors attendez, je vais juste faire un truc. Tac. Je vais faire encore un petit truc. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un petit live reveal PS5 Pro. On va un petit peu en discuter. On va voir, alors je vais juste regarder pour voir si ça fonctionne. Alors non, ça ne fonctionne pas. Ah oui, ben non, si j'ai que le gain, ça marche pas. Hein. Attendez, je regarde juste pourquoi j'ai pas. Ah bah oui, je suis con. Je suis con. Voilà. Donc il faut que je copie. Désolé. Alors, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Nickel. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, normalement, il devrait y avoir un PS5, une PS5 Pro d'annoncer. Là, incessamment sous peu, donc à 17h. Et je voulais faire un petit live pour en parler. Même si, bon... Même moi, l'utilité du PS5 Pro, voilà, c'est pas dans les, voilà, dans mes priorités. Mais ça peut être intéressant. La stratégie de Sony, elle va peut-être changer aussi, parce que ben, du coup, les éditeurs souhaitent changer aussi de stratégie. Et ça, on va voir si ça peut le faire, si ça peut être encore viable de faire des exclusivités sur les consoles. En sachant que Square Enix, par exemple, pour exemple pour eux, hein, eux ne veulent plus faire d'exclusivité à Day One sur console. Ils préfèrent se mettre un petit peu partout, quoi. Pour essayer d'engranger le max directement. Faire du profit plus rapidement. Donc à voir. En tout cas, on va voir, on va attendre, on va voir ce que ça donne. Je suis curieux. Je suis quand même curieux parce qu'il pourrait. Techniquement, si tu présentes une console, une nouvelle console, tu montres quelque chose. Pour essayer de justifier l'achat d'une PS5 Pro. On est d'accord. Et c'est ça la question que je me pose. Qu'est-ce qu'ils vont présenter pour justifier l'achat d'une PS5 Pro? C'est quand même étrange. Alors. J'ai vu sur mon Discord, il y avait donc Sakae qui a eu droit à un avertissement pour regarder le live. Et bon, après, bon, lui il est au Japon du coup, mais il a eu un truc par rapport à un téléphone mobile coréen, je sais pas quoi. Mais c'était sous une certaine tranche d'âge. Hein. Alors je sais pas si là ça va être le cas, si. Si c'est vraiment le cas, si c'est un pays 18 ou
moi, si je suis Sony et que j'ai envie de montrer un truc vraiment marquant pour la PS5 Pro, ce serait Bloodborne. Bloodborne est attendu par des millions de fans. Ce serait le bon moment. Ce serait le bon moment pour annoncer quelque chose sur Bloodborne. Voilà. Ou, par exemple, pour moi, en tout cas, mon souhait, ce serait vraiment de voir Kingdom Hearts 4 comme vitrine pour la PS5. Ce serait cool. Il mériterait, en tout cas, d'être là. Comme ça fait un moment qu'on n'a pas entendu de nouvelles. Et ça redorerait un petit peu le blason de Square Enix. Après, bon. J'imagine que Sony vont quand même essayer de maxer le first party chez eux, quoi. À voir. Après, je peux comprendre que pour moi, l'utilité, du coup, vu que j'ai un bon PC, c'est vrai que l'intérêt est plus... Ben, c'est plus le cas, quoi. Ma PS5 fera très bien le taf sur certains trucs, certains jeux. Après, je peux comprendre pour le côté trophée, pour le côté le PSN, tout ça, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, donc... Moi aussi d'ailleurs, hein, y a des jeux que j'aimerais quand même faire sur PS5 plutôt que sur PC. Certains aspects quoi. Pourquoi voir. Alors, du coup ça commence à 17h. On va voir. Hein. Ça peut être cool. Moi j'ai envie d'être surpris là. Il y a peut-être moyen d'être surpris. Du coup Sakai, bah justement je parlais de toi avant. Voilà, là on a encore un peu le temps. Mais oui, par rapport à la restriction d'âge, c'était quand même bizarre pour un petit live comme ça qui te demande. Après, tu n'utilises pas de VPN ou quelque chose comme ça par hasard. Mais c'est quand même bizarre. Ça devrait pas te demander une restriction. Sinon, je suis en train de réfléchir, c'est bizarre. Faudrait un contrôle parental ou un truc comme ça, non, pour avoir ça. Franchement, je sais pas. Je sais pas. On pourrait être surpris. Je ne sais pas pourquoi ça me détecte en Corée. Ouais, par contre, ça, c'est ça que je comprends pas non plus. Je comprends pas. Vérifie ton fournisseur internet au Japon. Je sais pas. Je sais pas. Bon, j'ai vu apparemment sur Discord qu'ils n'étaient pas tellement chauds en fait pour une PS5 Pro, si je comprends bien. Imaginons qu'il y a des exclusivités, mais ça n'arrivera pas. On n'a pas eu techniquement d'exclusivité pour la PS5. Si, on avait eu FF7, le DLC de Yuffie, il était exclu à la PS5 Pro, non? Ouais. Faut voir, hein. Faut voir. Après, après moi j'ai lu comme quoi elle était moins, c'était moins un saut technologique par rapport à la PS5, à la PS4 Pro par exemple, entre la PS4 et la PS4 Pro. Ce qui m'intéresse c'est son prix. Bon, franchement le prix, moi je pense dans les 650 quoi. Et ces bâtards de chez Sony, ils ont augmenté le prix des manettes. J'ai vu ça tout à l'heure sur Twitter. Les bâtards. Attendez, je voulais vous donner le prix. Ouais, ils ont passé la manette de 79, donc 70 euros, à 74,99. Comme ça, dans le plus grand des calmes, le jour de l'annonce de la PS5 Pro, quoi. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, le DLC était exclusif à la PS5, c'est ça. Donc, on pourrait s'attendre à des exclusivités aussi. C'est dans l'intérêt, en tout cas, de Sony. Après, je sais que dernièrement, Square Enix a fait une déclaration comme quoi il ne voulait plus faire d'exclusivité. Après, est-ce que le deal Sony est toujours d'actualité, on va dire, sur certains jeux first party de Square Enix, par exemple, et les gros AAA. Après, on connaît, hein, on sait qu'ils sont... Voilà, proche, hein, entre Sony et... entre Sony et Square Enix. Coucou Maya. Oui, bah bon courage pour le taf. Hein. Coucou Sora. J'espère que tu vas bien, Sora. Alors, et toi, est-ce que tu attends la PS5 Pro?
Attention, il peut y avoir des surprises, les gars. On peut être surpris, je vous ai dit, hein, Kingdom Hearts 4 pourrait être une vitrine technologique pour la PS5 Pro. Hein. Vraiment. Techniquement, ça pourrait être une claque. On pourrait être surpris. Mais je re-regarderai la présentation de la PS5, il n'y avait pas de présentation de jeu. C'est en mars 2020, effectivement. Mais quand même, moi, je trouve ça quand même étrange. Tu vois ce que je veux dire? Si tu présentes une console, tu présentes quelque chose qui justifierait l'achat de cette console, on est d'accord. Ah bon. Parce que là, si tu nous t'allonges juste une PS5 Pro, là, honnêtement, comme je l'ai dit, j'ai un bon PC, je vois plus l'intérêt, moi, de prendre une PS5 Pro, quoi. Faut la vendre, effectivement. Ah, la normale. Ça, comme tu l'as dit, ça dépendra du prix, ça dépendra aussi des perfs. Moi, j'ai besoin de savoir les perfs. Marc Cerny, il est assez direct. Je pense qu'il a quand même fait un bon boulot sur la PS4, PS5. En termes d'architecture, il a vraiment fait un bon boulot. Vraiment. Il n'y a qu'à regarder Ratchet & Clank. Hein, il a dit, hein, si il y a des problèmes de développement, c'est pas dû à la console. Hein. C'est dû au studio externe, à Sony, qui posent problème, en tout cas certains, et qui font des développements sur la longueur. Alors on pourrait parler peut-être de sous-effectifs ou... Il y a plein de choses qui font qu'il y a des problèmes. En tout cas, lui, l'architecture de la PlayStation 5, ils ont fait en sorte que ce soit facilité, grandement. Après, tout est dans l'optimisation console, c'est ça le problème. Regardez la qualité de certains titres, Ratchet & Clank, Spider-Man... Il y a des studios qui s'en sortent mieux que d'autres, c'est tout. Vraiment. Ratchet & Clank, il me met encore une gifle à la sortie de la PS5, c'était vraiment une gifle. Tu vois. Honnêtement, je sais pas. J'essaie de rester optimiste, de me dire, bon, mais il faudra vraiment me faire justifier l'achat. C'est vraiment ça. Et c'est là où ils vont devoir se démarquer, quoi. De toute façon, là, Microsoft vont être en PLS, hein, par contre. Hein. Ça va être compliqué pour eux. Ça va être un peu plus compliqué. Parce que déjà, la X a du mal à suivre sur certains titres. La série X. Hein. Alors, cette remake, ils sont très beaux sur PS5 aussi. Mais bien sûr, c'est pas des mauvais, c'est pas des jeux moches. Hein. Après... Remake, vu qu'il n'est pas en monde ouvert, il est techniquement plus bluffant que Rebirth. Il y a des moments dans Rebirth, c'est pas dégueu, mais tu vois que la technique, bon ça c'est je pense dû au moteur, hein, qui est un petit peu vieillissant aussi, comparé à d'autres jeux, en tout cas d'autres éditeurs, c'est pas la gifle, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, comme je vous ai dit sur Discord, la transition entre l'Unreal Engine 4 et l'Unreal Engine 5 facilitera grandement, donc déjà techniquement pour le jeu, ça lui donnera un boost, peut-être un petit peu au niveau de la résolution, de certains assets, mais surtout sur le plan, tout ce qui est... des simili de ray tracing, tu vois, des techniques qui vont embellir le jeu, qui vont nous donner l'impression que le jeu a gagné en qualité. Ça va être ça le truc, le petit subterfuge qu'ils vont vous faire là. Vous allez voir. Et bien sûr, on aura les jeux 4K 60 FPS, je pense que ça va être... Ils vont essayer d'atteindre ça, en tout cas, j'espère pour eux. Parce qu'on avait déjà du bullshit. Hein. Sony, ils nous ont déjà bullshité plein de fois. Hein. Le bullshitage sur le 8K qu'on avait sous la boîte, hein, souvenez-vous. C'était quand même quelque chose, ça. Il faut qu'il passe sur l'Unreal Engine 5 pour le 3ème. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Sakai. Après, ça dépend de quand. Le temps de développement qu'ils ont eu par rapport à l'Unreal Engine 4. Après. Encore une fois, c'était un débat que j'avais eu avec Chronos. C'est sur le temps, en fait, sur le temps de développement qu'ils ont eu sur l'Unreal Engine 4. Normalement, le logiciel est le même, en fait.
Après, c'est de l'incorporation de ce que tu en fais et de l'optimisation que tu fais. J'ai vu des gens sur YouTube faire des jeux techniques, enfin des petites démos comme ça en 2-3 clics. Hein. Le Unreal Engine 5, c'est ultra rapide à développer. C'était vraiment ça le fer de lance de l'Unreal Engine 5. Hein. C'était pour faciliter le développement, pour avoir des durées de développement un petit peu plus courtes, avoir un gain de temps sur certains assets que tu peux incorporer plus rapidement par rapport à leur stock de trucs 3D, tu vois, incorporer, à modifier, etc., etc., quoi. Donc, maintenant, à voir. Donc, pour moi, Final Fantasy VII Remake Partie 3, il faut qu'il bascule sur l'Unreal Engine 5. Déjà, pour Square Enix, pour s'habituer, déjà, là, je pense qu'ils ont déjà fait, ils ont déjà dû faire un gros taf sur KH4. Et c'est pour ça que là, ce serait intéressant de voir que Square Enix dégaine un petit peu, justement. Ils ont peut-être attendu l'annonce de la PS5 Pro pour pouvoir annoncer Kingdom Hearts 4 avec optimisation PS5 Pro en plus de la version PS5, tu vois. Ce serait tout bénef pour eux, vraiment. KH4 est sur l'Unreal Engine 5, ouais. Ils avaient commencé sur l'Unreal Engine 4 et puis ils ont basculé tout de suite sur l'Unreal Engine 5. Ils n'avaient pas encore fait grand-chose. Hein. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Après, effectivement, sur l'intérêt d'avoir une PS5 Pro, moi, techniquement, comme je vous ai dit, avec le PC que j'ai là actuellement, j'en ai pas spécialement besoin. Tout va dépendre du prix et de comment ils vont appâter justement les gens qui ont un PC. C'est de là où le nerf de la guerre va se jouer pour Sony. Parce que s'ils ont plus les exclusivités consoles des tiers, style Square Enix et tout ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Hein. Ils ont intérêt à se démener en interne pour pouvoir ressortir des jeux. Hein. Ils ont plein de licences. Ils auraient jamais dû enlever Japan Studio. C'était une grosse connerie d'avoir fait ça. Et d'avoir centralisé tout en Californie, là, ça a été la plus grosse connerie de Sony. C'est des idiots, de toute façon. Et il faut que le Japon soit un fer de lance. Il faut qu'ils arrêtent de brimer les Japonais. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Vraiment. Hein. Pour moi, Sony, il faut que ça reste japonais, il faut que ça soit développé au Japon, enfin, en tout cas pour une certaine frange hier, il faut que ce soit développé en interne aussi. Il faut redévelopper en tout cas le côté interne au Japon. Il faut qu'ils gardent la main. C'est pour moi une évidence, quoi. Parce que regardez Concorde, le désastre que c'est. Ils ont perdu des milliards à cause de ce truc-là qui est dégueulasse. KH4, à mon avis, il doit bien développer. Il doit être bien développé. Oui. Mais moi, je pense que c'est ça, Sora. Hein. Moi, là, honnêtement, je pense que Square Enix, ils n'ont rien annoncé. Même pour Missing Link, ils attendaient peut-être justement l'annonce de la PS5 Pro pour pouvoir enchaîner. Tu vois. Parce que Square Enix, ça va ouvrir des beaux bureaux. C'est déjà ouvert, d'ailleurs, je crois, Sakai, non? Ils sont déjà à Shibuya. Ça a déjà été fait le. Alors, c'est pas un transfert, c'est une ouverture, hein, on est d'accord. Hein. C'est une autre succursale. De Square Enix à Shibuya. Hein. Toi qui es sur place, du coup, tu dois être un peu plus au courant, non? Il me semblait que c'était déjà ouvert, non? D'ailleurs, est-ce que c'est du développement là-bas ou c'est juste une branche marketing à la base, ils devaient déménager de Shinjuku à... Ah, ok, d'accord, c'est un déménagement. Et finalement, il reste à Shinjuku et... Ah, ok, d'accord. D'accord. Non, pas encore. Ah, ok, d'accord. Ok. Ah, je pensais, tu vois. Autant pour moi. Je suis persuadé que c'était ouvert. Ça fait déjà un petit moment que ça a été annoncé, ça. Ça fait déjà quelques mois, non? Bon. Ok. Mais, donc du coup, ça veut quand même dire qu'il y a un développement. En tout cas, ils agrandissent les effectifs chez Square Enix. S'ils ouvrent... une autre succursale, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Tu te rappelles la démo de Matrix, mais ouais. Attends, je vais juste... je change juste de scène 2 minutes. Je vais juste piquer un truc sur l'autre. Alors, c'était quoi? Le chat. Alors...
Là, attendez, je fais juste ça. Hop. Je vais remettre le chat, voilà. Ouais. Ok. Mais oui. Après, le but de vouloir... ça ouvre en octobre 2024. Merci à Sakai pour la précision. Merci. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais bon, ça veut dire que l'équipe, ils l'ont déjà, quoi. C'est juste un déménagement. Alors, attends. Ok, ça marche. Du coup, le bureau à Yosuka, Shinjuku et Shibuya. C'est ça. Intéressant. C'est intéressant. Toi qui es sur place, c'est pratique, tu vois. Oh, moi, j'aimerais bien, franchement. Ce sera un rêve. Sinon, vous entendez bien le son de ma voix et la musique ? Je vais peut-être baisser un petit peu la musique. Merci, Sora. Merci, merci. Voilà. Hein. On pourrait s'attendre aussi à du first party. On pourrait voir un nouveau Ratchet & Clank. Hein, avec une autre baffe technique. C'est pas impossible. Hein. Soit c'est juste Sony qui nous présente des trucs en interne. Soit après, on peut... Moi, je vous ai dit, j'aimerais beaucoup voir... une petite démo technique de KH comme ça, tu vois, qui nous montre un petit peu ce qu'il pourrait faire, ce serait cool, tu vois. Après, ça, c'est mon côté fanboy, hein, qui parle. Ou un Ghost of Tsushima, ouais, de... J'ai pas fait encore Ghost of Tsushima, Sakai. Puis, j'avais pas le temps quand il était sorti. Hein. Il y a tellement de choses que je suis passé à côté. Ouais, ouais. Là, il faut qu'on attaque aussi Dream Drop Distance. On va le faire. Mais ouais, en tout cas, il faut que Sony Japon reprenne la main. Vraiment. Vraiment. Je sais que Sony est devenu vraiment un truc à l'international, mais... Le truc de fermer Sony Japan, ça a été... Japan Studio, ça a été... C'était une grosse connerie. Une grosse connerie. Shadow of Colossus, tout ça, mais quel... Ils ont plein de licences. Ils ont plein. Jak and Daxter. Ils ont quoi? Ils ont Sly. Ils ont plein de trucs, non? Ratchet. Il faut qu'ils développent ces trucs-là, tu vois. Faut qu'ils remettent au goût du jour. Ils ont aussi les Infamous. Infamous, ce serait cool de refaire un Infamous. Le dernier, sur PS4, il était excellent aussi. Shadow of Colossus, une merveille, mais ouais. Là, ils ont la technologie, mais qu'ils y aillent. Si maintenant, ils veulent garder ce semblant d'exclusivité, ça va se jouer uniquement en interne, en fait. C'est ça, hein. Ça va être en interne. Infamous, c'est Sucker Punch, le studio qui développe Ghost of Tsushima. C'est ça. Mais ça, c'est une filiale de Sony aussi, non? Je dis peut-être des bêtises, hein. Mais il me semble, hein. C'est un studio de Sony, on est d'accord, hein. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Donc, ouais, ben, il faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur, il faut qu'ils se démarquent maintenant de la concurrence. Ils veulent garder ce semblant d'exclusivité, bien sûr. Alors, attendez, je... Ça va être le nerf de la guerre, là. Pour eux. Après la débâcle de Concorde... Et investir plus intelligemment. Là, Ubisoft, les gars, ils sont dans la caca. Hein. Ubisoft, là, ils ont baissé en bourse. C'est une dinguerie. Hein. Et ça fait des années. Coucou, Silla. Ça fait des années et des années que ça dure. Hein.
enfin il va y avoir un réveil, parce que là ce qu'ils ont fait c'est une honte. Et je suis en train de me poser la question, tous les messages qu'ils ont mis, ils ont essayé d'être, de faire du politiquement correct chez Ubisoft, hein. Ils avaient une politique assez ouverte, hein, depuis des années. Ça leur coûte énormément, du coup, là maintenant, ils le payent maintenant. Surtout la qualité des jeux aussi, hein. Là j'ai regardé les derniers Star Wars, bon il y en a qui, j'ai vu qui apprécient. Moi le truc de l'infiltration, j'ai vu plein de bugs, j'ai vu plein de... Enfin, ouais, voilà, ça m'intéresse pas. Ça cumule, et là ils ont cumulé. Et je sais qu'à l'époque, Ubisoft était sur le déclin aussi. Ils étaient pas loin de se faire racheter par Vivendi. Et ils ont été sauvés à l'époque du rachat par Vivendi. Et ils ont voulu rester indépendants. Mais à quel prix? C'est là où je suis en train de me poser la question, à quel prix ils ont eu cette indépendance? Ils ont dû dire oui à beaucoup de choses, à mon avis. Tout ce qui est dit et machin, et c'est très très trop politique, mis dans leur jeu, ils passent à côté du créatif, c'est ça, c'est comme Disney, comme les autres, hein. C'est exactement ça qu'est. Et c'est pour ça que je vous dis, le salut viendra peut-être du Japon aussi, hein. Mais là c'est bien, ça leur fait comprendre, Ubiwok, ouais, ben, c'est là où il faut maintenant qu'ils se réveillent. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de réelle concurrence. Microsoft est focus sur le Game Pass. Oui, Microsoft, c'est terminé aussi pour moi. C'est pour ça, en fait. C'est très intelligent, la stratégie là, de Microsoft. Ils se disent, OK, on ne peut pas être leader, hein, sur le marché console. Ce ne sera jamais le cas. C'est impossible. Parce qu'ils veulent se focaliser sur leur licence, machin et tout. Faire de l'américain, si vous voulez, sur leur console, hein, c'est ça le but, hein, pour Microsoft principal, en tout cas pour moi, depuis des années, moi je l'ai senti toujours comme ça, hein. Ils avaient essayé de faire un petit peu de japonais à l'époque, bon, ça avait marché pour certains jeux, mais c'était pas non plus les claques, on a eu 2-3 jeux, puis voilà, puis après basta, quoi. Et là, ce qu'ils font, c'est arrêter donc les consoles, à mon avis, à un bout d'un moment, ils vont arrêter sûrement les consoles, là, c'est pour ça que je comprends pas leur sortie, là. À mon avis, ça m'étonnerait qu'ils vont sortir un équivalent de la PS5 Pro, par exemple. Ils vont tout maxer sur le Game Pass, le jeu en ligne ou le cloud, et ou développer sur les consoles concurrentes, du coup Nintendo ou Sony. Ils vont envoyer leurs jeux sur ces plateformes-là pour contrer Sony et se dire... Parce que les développeurs, ils vont se dire, ah, donc en fait, si on arrive à faire du multiplateforme, nos gains et nos bénéfices augmenteront. Parce que là, le côté exclusif ne fonctionne plus, en tout cas maintenant, en termes de bénéfices, ça ne fonctionne plus. Donc il faut qu'ils tapent sur PC, donc maintenant il faut qu'ils développent sur PC directement, Day One, sur PS5, allez, peut-être la prochaine console de Nintendo aussi, et Microsoft. C'est pour ça que là, on a le discours de Square Enix qui dit, bon, on va peut-être arrêter les conneries et essayer de retrouver un bénéfice. Et après, encore une fois, ça dépendra du chèque de Sony. Si Sony décide de sortir le gros chèque, ou voire de racheter les studios de style Square Enix, ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on a les rumeurs là-dessus, ça n'est jamais arrivé, et je pense que ça n'arrivera jamais, en tout cas je l'espère pas, parce que je pense que on a vu ce que Sony a fait avec Japan Studio, et on a vu ce que Microsoft a fait avec le rachat de studios, certains studios, hein, une calamité, c'est une calamité. Ça marche que très rarement, hein. En tout cas, les IP qui sont rachetés, en tout cas, les studios qui sont rachetés par rapport à leurs IP, les IP crèvent, en fait, derrière. Elles sont massacrées et il n'y a plus de respect. Peut-être une PlayStation Pro spéciale 30 ans de PlayStation. Ouais, bah, je pense. Ça va venir de la Corée, de la Chine, ils vont arriver, il va falloir faire avec ce marché qui ne roule pas avec les règles américaines. Totalement d'accord avec toi, Sake. Totalement. On a vu, hein, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, hein, mes deux GOTY, en tout cas, potentiel GOTY pour Black Myth Wukong, et mon GOTY de l'année dernière, du coup, c'était Lies of P. Lies of P, c'est une tuerie, hein. D'accord, on t'attend toujours, Silard, d'ailleurs. Il faut y aller. Faut le faire, c'est une tuerie. J'ai encore regardé des gens récemment faire des gameplays, là, enfin des let's play. Je regarde avec toujours autant d'émerveillement sur l'univers et tout, sur le gameplay, machin, c'est vraiment, vraiment très très bon, quoi. Très très bon.
Donc là, il y a une guerre interne qui commence à se profiler. Ubisoft qui est sur la frange, Nintendo qui va débouler avec sa console. Il va y avoir des choix à faire. Hein. Parce que là, moi, je pense que Sony, ils annoncent leur PS5 Pro, mais derrière, à Nintendo, ils vont embrayer. Hein. Ils vont aussi annoncer hein, pour une sortie potentielle, pour moi, mars, avril, voilà, après le trimestre, hein, après le... Alors, Where the Winds Meet, j'ai pas encore trop... Je me suis pas trop attardé dessus. Faudrait que je check. Par contre, Phantom Blade Zero, ça a l'air super intéressant aussi. Hein. Ah, t'inquiète, je finis The Last of Us 2 et après Lies of P. Mais ouais, let's go. J'ai trop envie, c'est comme... comme Phantom Blade, j'ai aussi envie d'avoir son avis sur le jeu. Vous qui aimez les Souls-like, tu vois. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis à vous. Moi, j'étais conquis, tu vois. Le platiner le truc, pour moi, c'est rare, tu vois. Du coup, ouais. Nintendo, c'est la première fois qu'une console dure 7 ans. Si je ne dis pas... Oh, moi, non, je pense que t'as raison. C'est la première fois. Et... du coup, stratégie gagnante pour eux. Vraiment. Parce que la Switch, s'est toujours vendue. Jusqu'à en fin de vie. Bénéf pour eux et ils se sont pas foulés les nets hein, pour cette génération. Par contre, ils ont intérêt à se démarquer pour la prochaine. Vraiment, il faut un démarquage pour eux. Il faut que ça se démarque. C'est bon, je suis sorti. Voilà. Courage Maya. Et quand déjà la Switch jeu, la Switch. Oh putain. Ça fait... Tu parles de la sortie de la première, hein. Oh, ça fait... 2017. Ouais, ça fait presque 6 ans, ouais. Ouais, ça date, hein. On est en 2024, les gars. On est en 2024 et on n'a toujours pas de successeur, quoi. Et c'est là qu'on a vu que la technique, ça peut quand même être intéressant, hein, en termes même de créativité, hein, que ça peut léser les studios externes et même en interne. Bon, en interne, Nintendo a plus l'habitude parce que, du coup, ils maîtrisent mieux, c'est logique, tu vois, enfin... Ils savent ce qu'ils font avec leur licence. Moi, je me souviens, j'ai encore regardé récemment Mario Galaxy 2 sur Wii. C'est beau de ouf. Hein. C'est beau de ouf. Période de le Covid a bien aidé. Ah oui. Tout, hein. Regarde les ventes de FF7 Remake aussi. Tous les ventes numériques ont explosé aussi. Ça a été stratégiquement pour eux un gros, gros, gros bénéf. Merci Sakai pour le lien, pour le Square Enix Shibuya Office, donc ouais. Yes. Maintenant, on va voir. Hein. Persona 5 Royal. Ouais. Aussi. Pépite. Alors, on est à 6 minutes 32. Attends, je remets ma fenêtre correctement, là. Ouais. Ah, par contre, il faut que je... casse le chat après quand j'ai pas encore tout réglé sur mon OBS, mais je m'en occuperai après. Peut-être que ce soir je streamerai sur Dread Drop Distance, on va voir. Sinon, en tout cas, il y a moyen là. On n'aura peut-être pas beaucoup de jeux ou peut-être une présentation technique de quelque chose pour moi. J'espère en tout cas un jeu. Où on pourra avoir une petite démo, une démo technique, quoi. Pour nous dire, voilà, ce que la PS5 Pro peut faire, ça va être un argument. Hein. Et on aura, du coup, le State of Play qui viendra par la suite. Là, par contre, Capcom, avec Pragmata, je pense que c'est pour ça qu'ils ont entendu certains développeurs, hein, tiers, les développeurs tiers, style Square Enix, Capcom et tout ça. C'est peut-être pour ça qu'ils ont attendu si longtemps là, par Kingdom Hearts 4 ou des exclusivités vraiment ambitieuses. C'est peut-être pour l'annonce de cette console en fait, c'est tout. Moi je pense, hein, vraiment. Alors,
si, encore une fois, si je prends la PS5 Pro, ce sera vraiment par rapport au prix. Et parce que comme je te dis, j'ai déjà un PC. Voilà, j'ai un bon, très très bon PC. Ce sera le prix et les exclusivités en fait par rapport. Il faudra vraiment m'apprêter avec ça, quoi. Ça dépendra si Sony graisse la patte, on va dire, aux éditeurs tiers pour des exclusivités comme ils l'ont fait avec Square Enix pendant des années. Mais on a vu que Square Enix commence à changer de fusil d'épaule sur le développement, en tout cas, multiplateforme Day One. Eux, ils souhaiteraient sortir les jeux sur PC en même temps que sur console. Pour avoir un bénéfice peut-être plus important directement, tu vois. Même si je trouve que la stratégie de sortir les jeux plus tard, 6 mois après, un an après, je sais pas, ça dépend, est plutôt gagnante aussi. Parce qu'il faut savoir quand même que... Mais là, c'est vrai que la frange... Du coup, moi qui ai un bon PC, j'ai plus trop envie de faire les jeux sur PlayStation 5, du coup. Je préfère les faire sur mon PC. C'est là la question, hein. C'est compliqué, parce que là, en fait, faire concurrence au PC est très compliqué. Parce que l'architecture d'une console n'est pas fait pareil, tu vois. Là, ils peuvent viser du 4K 60 FPS, je pense, dans une moindre mesure. Ça, après, encore une fois, tout dépend de l'optimisation de ton jeu. Mark Cerny l'avait dit il n'y a pas très longtemps, il avait fait une vidéo là-dessus, où il a expliqué hein, que si les développements sont si longs chez les éditeurs tiers, par exemple, il a dit le problème ne dépend pas d'eux et de l'architecture de la PS5. C'est les éditeurs qui décident de prendre autant de temps pour faire, alors qu'ils ont des facilités de développement, quoi. Surtout maintenant avec les moteurs externes, machin et tout. Alors j'y pense, mais il y a Death Stranding 2 aussi. Oui. Mais bon, après, Death Stranding 2 est censé, ce qu'on a vu là, je pense pas qu'il y avait l'upgrade PS5 Pro, par exemple. Tu vois. Et encore une fois, hein, Death Stranding 2 est magnifique, question d'optimisation. Death Stranding est déjà magnifique. Après, pour moi, là, c'est l'univers me parle, quoi, tu vois. Kojima sait faire des bons jeux... En tout cas, narrativement parlant, les jeux sont très qualitatifs. Mais Death Stranding, niveau gameplay, m'a rebuté à un niveau. Et moi, qui étais très très hypé par Death Stranding à l'époque, ça m'avait gâché la sortie, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'était dommage pour moi, quoi. Mais bon. Mais l'idée, en soi, elle est plutôt bonne hein, pour Death Stranding. Peut-être que ça sera cogité pour Death Stranding 2, est-ce qu'il y aura peut-être plus d'action hein. On l'a vu avec bon, le trailer qu'on a vu, il y avait l'air d'avoir un peu plus d'action, mais faut voir après. Coucou Jidan, comment tu vas? Donc ouais, restons optimistes. Ce sera plus du MGS. Ce sera plus MGS, mais après MGS... Après, t'as vu, il est crédité sur Metal Gear Solid 3, hein, enfin, le remake, là. Ça, je trouve plutôt cool. Bonjour, Miu. Donc, maintenant, faudra voir. Hein. Coucou, Mélanie. Ben non, ça n'a pas encore commencé. Il reste une minute... Mélanie. Il reste une minute, on a encore un peu le temps. Voilà, encore une fois, hein, pour faire un résumé, hein, là, le nerf de la guerre pour Sony, ça va être soit de garder les exclusivités ou de développer en interne des jeux qui vont servir à PlayStation, parce que s'ils investissent pas dans des IP exclusives ou nouvelles ou renouveler des IP déjà existantes au sein de chez Sony, genre, je parle d'Infamous, Sucker Punch, tout ça, machin... les autres éditeurs enfin, qu'ils ont en interne, il faut maxer là-dessus. Hein, parce que si les éditeurs tiers ont toujours ce manque à gagner par rapport justement à ces exclusivités temporaires par rapport aux constructeurs, c'est chaud. C'est chaud. Là, Square Enix l'a dit hein, récemment, si maintenant, eux, ils ne peuvent pas gagner clairement par rapport à leur jeu, après, moi, je pense que
personnellement, la stratégie de Square Enix de dire on développe un peu partout maintenant, directement Day One sur PC, etc., etc., je pense pas qu'elle soit si bonne. Parce qu'on l'a vu, hein, les rééditions, les sorties... Ah, ça commence. Attendez, attendez. Hi, I'm Mark Cerny. I'm excited to be here to talk about the newest addition to our console lineup, PlayStation 5 Pro, and how it advances gaming technology. But first, I want to take just a minute to look at what we put in the original PlayStation 5 and how it delivers an exceptional gaming experience. Bon ben, PlayStation 5 confirmé, hein. When PS5 debuted in 2020, it brought a lot to the table. 8 Zen 2 CPU cores form the brains of PlayStation 5 and enable high-speed complex gameplay, with character counts reaching into the hundreds and frame rates that can be as high as 120 frames a second. PS5 has a powerful RDNA 2 GPU, which can... Donc là, intricate details. Il parle de ce que la PS5 peut vraiment faire par rapport aux 60 FPS. Le disque dur rapide, machin, ray tracing. Including reflections off of water or glass. And the realism that comes from real-time global illumination. A custom SSD can load... Ça, tu vois, ils allaient mettre Ratchet & Clank, t'étais sûr. Hein. Pour moi, ça reste encore la plus grosse claque. Hein. Donc la rapidité du disque dur du SSD. The traversal speeds are essentially unlimited. Tempest 3D Audio Tech brings an unparalleled sense of immersion to the sound of the game. Bon après il faut le casque hein, pour ça hein. Ou une barre de son. Pour le son 3D et tout ça. To know exactly where they are. Finally, ah oui, le fameux lecteur externe là, Miu. Feel through your hand what your character is experiencing inside of the game. Kena aussi. Petit studio. Wonderful to see such variety and richness. Mais qui a fait un jeu qualitatif, ouais. Creators have made amazing use of the hardware capabilities, but when I talk to them, I do hear about their desire for more graphics performance. The dreams of the developers are bigger than can be supported at 60 frames per second. Donc ce que Cerny dit là, c'est les développeurs demandent une console plus puissante. Graphics modes. It can be a difficult choice for players. Fidelity modes emphasize the visuals, typically through higher resolution rendering. These modes might also... Après, ça, c'est une question d'FPS, de... voilà. La complexité de choisir entre le mode fidélité, donc le mode graphique, ou le mode... ou le mode FPS, quoi. Framerate ou performance graphique, quoi. À vous de choisir. Mainly by reducing the graphical detail until those frame rates can be achieved. When asked to decide on a mode, ça c'est un choix. Hein. Ils ont laissé le choix. Removing that, je trouve ça déjà pas mal. Hein. Narrowing that divide is one of the key targets for PlayStation 5 Pro. We want to give players the graphics that the game creators aspire to, at the high frame rates that players typically prefer. Donc ils veulent garder la fidélité des développeurs, leur souhait en tout cas, de donner un jeu fidèle, le plus fidèle possible. The big three. First, we made the GPU much larger and increased plus gros GPU. It uses. The result is rendering that's up to 45% faster. 45% plus rapide. We made major upgrades to the ray tracing, taking a streamlined and accelerated. Donc augmenter le ray tracing aussi. Ça c'est difficile. Même moi sur PC des fois le ray tracing et pourtant j'ai une 4090. And finally, we added custom. Moi je mettrai pas toutes mes billes là-dessus. AI library called PlayStation Spectral Super Resolution. Donc PlayStation Spectral Super Resolution de l'AI, donc de l'intelligence artificielle pour l'upscaling. Pixel and can add an extraordinary amount of detail, which boosts the effective resolution of the games. Ça existe déjà sur PC du coup. Ça se développe maintenant. New and existing titles. And with the big three involved, the results can be pretty amazing. With graphics showing something like fidelity levels of detail, but it doubled the frame rate. Here's The Last of Us Part 2 running on PS5 Pro. On a fait la comparer après la PS4 Pro et la PS5 Pro, comparer le gap entre les deux. Ça va être intéressant aussi. Let's compare this to the fidelity mode on PS5, which is only running at 30 frames per second and is therefore much choppier. Bon, tu vois, il y a moins le flickering, il y a moins le petit tearing sur PS5 Pro, quoi. Forcément. For a broad set of titles, including Marvel's Spider-Man 2,
Ah, tu vois quand même. And Ratchet and Clank rift apart. C'est du, ça a l'air d'être du. Is close to doubling the power of PlayStation 5. Another way to compare the two consoles is to look at PS5 Pro versus Performance Mode on PS5, both of which target 60 frames per second. What we see here is a difference in detail. PS5 Pro is much sharper and crisper than PS5. For this, my favorite is the parade scene from Ratchet and Clank. Distant details are much clearer. And here we can see Marvel's Spider-Man 2 is noticeably higher resolution. Après, là ça va être compliqué pour eux de bullshitter. Pourquoi? Parce que on a des experts maintenant, tu vois, pour voir la différence. PS5 Pro, we can see increased sharpness to the graphics or smoother and more responsive gameplay. Donc là après il faudra voir le bénéfice hein. As you've been seeing, machine learning via the PSSR library is being used. Moi, je la vois déjà. Et je suis sur YouTube. Après, c'est Sony qui nous présente la vidéo. Il faut voir après, comme je vous ai dit, par des professionnels qui vont analyser justement vraiment le frame rate et la résolution. Mais j'ai tendance à les croire quand même sur le rendu. Encore une fois, hein, je vous l'ai dit, hein. L'optimisation. Si tu optimises bien ton jeu, il n'y a pas de raison que. Ray tracing is finding broad usage as well, particularly when the games are focused on higher frame rates. The faster hardware in PS5 Pro can make a real difference. Allowing Gran Turismo 7 to add ray traced reflections between the cars in gameplay, while continuing to support their targeted 60 frames per second. That boost in ray tracing is also delivering big wins for Hogwarts Legacy. Allowing not only for better reflections and a greater variety of reflective surfaces. Bah une télé 4K devrait suffire à Jidan, hein, c'est tout hein. Télé 4K et technology behind PlayStation 5 Pro. Est-ce qu'ils vont proposer le 8K 30 FPS? We've ever built and a worthy addition to the PS5 family. Let me wrap this up by giving you a quick look at a number of games running on the new console. Oh putain, les gars. Montrez-nous des exclus. Une petite exclue, allez. Kingdom Hearts 4. Donc effectivement, donc le design avait déjà fuité, c'était vraiment le design officiel qu'on a vu. Ok. FF7. It'll be worth it. Okay. No! Et le lecteur, il est où? Mais c'est tiré une balle, Miu, s'il sort pas de lecteur. Version lecteur, tu vois. Bon, là, il montre des IP déjà existantes, donc... Alors... Wouah! 800 balles! Mais non! Mais non! Oh! 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 Oula! Oula, oula, oula! Bon, là, ils ont intérêt à vendre les lecteurs et les pop-corn avec et. Oh! Oh! J'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Mais c'est trop cher. Beaucoup trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. Non. Non, non, non. Trop cher. Les gens sur le chat, ils sont en PLS.
Je ne mettrai pas 800 balles perso, non. Je pense pas, non. Day one pour vous? Julian? Stylar, day one pour vous? Ah ouais. Ah ouais, effectivement, là je te comprends. Hein, ouais. Ah, ça pique, hein. Ça pique. Voilà, Microsoft arrive avec une nouvelle console moins chère et on se retrouve comme à l'ère de la PS3 360. Je crois pas. J'y crois pas, ça quand même. J'y crois vraiment pas. Oh là là, attendez, attendez, je suis en train d'emmagasiner. Donc CPU plus grand. Bref, ils ont vu les trucs vraiment. Bon, ce que aurait dû être la PS5 de base, on va pas se mentir. Ils vont viser les 4K 60 FPS. On te troll. Allez, bon, ça va être compliqué, hein. Dragon Fairy, le gaming redevient inaccessible à ceux qui n'ont pas un certain train de vie. Je confirme, Dragon Fairy, c'est pas cool. Vraiment. Je vous comprends sur le chat. Déjà que 600 euros, c'est déjà abusé, mais 800, ouais. Ça picote, hein, les gars. Ça picote, hein. Après, il faut qu'ils remboursent le déficit sur Concorde. Donc. Et là, les gars, ils ont annoncé une console à 800 balles, hein, les gars. Mais sachez aussi qu'ils ont augmenté les prix des manettes de quelques euros, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oh, ça va être la folie sur Twitter, là, je le sens. Les manettes sont passées de 69,99 à 74,99. Manette PS5, hein. Commence déjà à économiser, Miu. Commence déjà à économiser. C'est chaud. Mais je peux comprendre, hein. Pour les gens qui n'ont pas de PS5, c'est tout bénef, tu vois. Mais il faut investir, quoi. Mais j'ai envie de te dire, si la console fait aussi bien qu'un PC, bon, ne fera jamais aussi bien, en tout cas, que des gros PC, hein. Ça, c'est le boulot des éditeurs tiers. Là, ils ont beaucoup montré de jeux en interne, tu vois, des IP déjà bien ancrés, tu vois. Moi, je vais le prendre, je suis sérieux. Ah, ils vont annoncer Remake Partie 3, 4K, 60 FPS, Ray Tracing de voilà, vous allez voir, on va craquer, vous allez voir. Et si Square Enix continue à faire l'exclusivité, tu vois. Et FF7, je pense que l'exclusivité sera encore chez Sony. Ce sera pas Day One sur PC. Ça, c'est. Je le sens. C'est beaucoup trop cher, même si t'as pas de PS5. Un PC de 800 euros, tu ne fais pas de ray tracing. Non, mais même le mien avec une 4090, certains jeux, le ray tracing n'est pas adapté. Et encore une fois, tout dépend de l'optimisation. C'est les éditeurs après le problème, c'est pas Sony. Eux, ils te sortent la console clé en main, avec, après tu choisis ton moteur de jeu, machin. Mais en tout cas, la console est faite pour faciliter le développement, elle est faite pour. Et après, faut pas se mentir, il hein, faut regarder la qualité quand même, c'est assez impressionnant. Ça, j'en doute pas. Je doute pas de. Et ça va être après un jugement aussi, on dira avec Digital Foundry. Vous allez voir que là, ça va être. Alors, 800 euros, c'est avec le lecteur, les gars. C'est pas possible. J'ai pas vu de news, mais. Alors. Ouais, Astrobot qui rattrape l'échec de Concorde, là, je viens de lire. 119, le lecteur, soit. Non.
Alors, quel s'est présenté Sony a confirmé l'existence de la PlayStation 5 Pro, que le nombre se nommera PlayStation 5 Pro, donc c'est bien noté. Comme entendu, le console mid-gen aura pour but d'apporter un nouveau gap purement technique grâce à un meilleur GPU, un boost de la technologie Ray Tracing et enfin la technologie maison PSSR pour booster la résolution sous IA et ainsi drastiquement optimiser les performances. Le Big Three, donc les trois principes là, dont le but étant de pouvoir en quelque sorte avoir le meilleur des mondes entre fidélité et performance. Apprenant en passant que 75% des joueurs optent sur PS5 pour ce dernier mode. 75% des joueurs optent pour le mode performance, donc le mode FPS, hein, le mode fluide quoi. Confirmation également du fait que le modèle reprendra ce qui se faisait avec la Slim, donc quelque chose nativement sans lecteur à acheter à part en incluant. Waouh, la douille, les gars! Mais non! Tu payes 800 balles sa console et tu payes le lecteur à côté? Mais c'était dingue! Ouais, Dame, comme tu dis, c'est hot. Ah ouais, là je m'attendais pas à ça, moi. Ah, là, ça va être dur pour eux. Hein. PS5 Pro plus secteur plus jeu, 1000 balles en tout. Ouais. Et tu comptes maintenant les jeux, ils sont à 80 balles au moins. Sur le site officiel, donc, ouais. Pour le lecteur, à part, soit changer la cover de la console qui sera dispo plus tard. Hein. Normal, le 60 FPS, c'est le mieux pour les jeux d'action. Ben, forcément, les gars. Et bon, je vous avoue que j'ai fait... Il y a des jeux que j'ai fait en mode qualité. Sans problème. Ça, c'est un débat. Tu vois. Ça dépend. C'est vrai que je me suis retrouvé sur certains jeux d'action où le framerate était beaucoup trop bas. Du coup, c'était un petit peu trop compliqué. Mais il y a des jeux que j'ai fait en mode qualité où j'ai jamais eu vraiment de problème, quoi. Autant acheter un PC, si je dis ça... Moi, j'ai de la chance, les gars. Mais comme l'a dit avant Dragon Fury, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Tu vois. Je me mets à la place des gens, tu vois, qui n'ont pas forcément les moyens. C'est tendu. C'est vraiment tendu. Ça, je trouve ça abusé. C'est beaucoup trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. Mais un PC à 800 euros, les gens, tu n'as pas autant de techno dedans. Faut pas l'oublier. Sony, là, il nous... Alors, c'est pas totalement du bullshitage, comme je vous ai dit, les jeux qu'ils nous ont montré là, c'est des jeux optimisés déjà, tu vois, facilement optimisables sur PS5 Pro. Maintenant, après, il faut voir les éditeurs tiers, c'est ça le problème. Hein. Là, Marciani nous dit, oui, les éditeurs tiers nous ont demandé de augmenter la puissance de la console pour qu'on ait des jeux le plus fidèles possible, machin. Honnêtement, je comprends. Par exemple, imaginons, moi, tu tires sur la corde sensible, tu me dis Kingdom Hearts 4 est exclu temporaire sur PS5 Pro. Et on n'aura pas la version PC avant un an, six mois, un an après. Je peux craquer, mais je vous avoue que les 800 balles, ça picote quand même. Les gars, c'est plus que la moitié du SMIC, quoi, tu vois, c'est une dinguerie, hein. Enfin, la hausse des crédits, les gars, pour acheter une console. Wow. Y a pas 5 Pro, ça ne vise pas tous les joueurs, juste ceux qui peuvent se le permettre. Ouais, donc, du coup, ok. Si tu n'as pas les moyens, tu prends une PS5. Comme pour les téléphones, tu as des modèles à plus de... Exactement. Bah, c'est le même principe, Dida, exactement. C'est soit vous... Après, ce qui va être intéressant à voir, c'est la baisse du prix de la PS5, parce que vous vous retrouvez avec les mêmes jeux. Vous pouvez les faire, ce sera les mêmes jeux. On a eu le cas, on l'a dit tout à l'heure, Final Fantasy VII Remake Intergrade était exclusif à la PS5 Pro. À la PS4 Pro, c'est ça, ou je sais plus, à la PS5. On a eu des dingueries comme ça. Oui, c'était la PS5. Hein. On a eu des dingueries comme ça.
Et là, s'ils s'amusent à faire des exclusivités comme ça, c'est chaud. Va payer ton exclusivité, va payer ton DLC à 800 balles pour jouer à ton DLC. Bon, là, c'est un peu chaud. Ils feront jamais l'exclus sur une console mid-gen. Ben, alors, un DLC exclusif, ils l'ont fait. En tout cas, Square Enix ont eu les... Ils ont eu zéro décence. Hein. Exclus PS5 intégré, c'est pas PS5. Oui, c'est ça. Je me rappelais toutes les personnes qui n'avaient pas de PS5, qui n'ont pas pu faire le DLC de Yuffie. C'était scandaleux. Là, en gros, Rebirth, soit tu joues en 4K car c'est beau, mais tu joues en 30 FPS, soit tu joues avec une image dégueulasse, mais en 60 FPS. Ben, sur la Pro, tu choisis pas. Tu fais le meilleur des deux mondes. C'est ça. Ah, Jidan, il est chaud. Jidan, VRP de Sony, là. Mais je te comprends, t'as raison. Dans le schéma, c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme tu l'as dit, hein. T'achètes un iPhone normal ou un Pro, ben t'as le choix, quoi. Sony donne le choix. Après, il faut voir. La baisse de prix de la PS5 normale. Pour justement les gens qui n'ont pas encore le PlayStation 5. Et il y en a encore pas mal. Donc, techniquement, ils vont essayer de faire tourner la machine, donc de vendre encore des PS5 de base. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Ils vont faire une appel d'offres. C'est ce qu'on appelle une appel d'offres. C'est les gens qui n'ont pas eu les moyens d'acheter encore une PS5, ben, ils vont pouvoir le faire maintenant avec une baisse de prix. Mais il faut voir la baisse de prix. Si, la baisse de prix. Mais là, je leur en veux un peu, là. L'augmentation des prix des manettes, là, en loose day, de 70 à 74,99. 99, 75, hein, t'aurais rangé à 5 euros près. Les bâtards. En plus d'une annonce d'une console à 800 balles. Ils nous avaient fait le coup à l'époque avec la PS3. Souvenez-vous, la PS3, elle était chère de fou, quoi. Oh là là. Et la techno, elle était aussi dégueulasse. Sans faire le VRP, c'était plutôt logique. C'est juste que les gens vont dire trop cher, etc. Mais ça ne cible pas 100% les joueurs. Mais c'est ce que vous dites, ouais. Ça cible que les gens qui veulent du confort et qui peuvent se le permettre. Par contre, le prix est abusé. Ça, je suis d'accord. 700 euros, ça serait passé. Ça aurait été un petit peu un prix psychologique. Ouais, une barrière à ne pas dépasser. Là, je suis d'accord avec toi. Et je suis d'accord avec toi dans ton message. Hein. T'as les riches et t'as les... Voilà, t'as les pauvres, quoi. C'est exactement le principe des smartphones. Ça. Hein. C'est encore ce nivellement, tu vois, et ce conflit de mettre sur un piédestal les gens, je trouve ça moyen, quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait peur. Ouais, ben ouais, je comprends mieux. Sachant qu'elle a augmenté, elle ne va pas baisser, la PS5. Elle a déjà un peu baissé, je crois, la PS5, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, non? Mais pour moi, s'ils veulent rentrer de l'argent, ils ont tout intérêt à baisser les premiers modèles. Pour moi, c'est clair. La PS3 ne se vendait pas, car oui, c'était cher, mais c'était un lecteur Blu-ray comparé à la 360. Et là, la console avait une architecture de merde. Exactement. Il faut la PS5 Pro, plus la télévision qui va avec. Alors, Sakai, là, une bonne majorité, je pense, de gens... Enfin, les télécacales, maintenant, sont abordables. Tu vois, il y a des bons modèles, hein. Abordables, c'est abordable. Après, pour les gens qui n'ont pas de télé à 4K, c'est vrai que ça va être compliqué d'acheter une PS5 Pro. T'achètes la console plus la télé, ouais, tu te lâches une paye, quoi. Largement, plus d'une paye.
Ah oui, ils ont fait une augmentation récemment. Ouais, mais là, les choix, et ça, j'en veux à Sony, la Concorde de merde, là. Ils ont courbé les chines au marché occidental. Et ce qui a fait que ils sont en perte, c'était sûr, ça. Les choix qu'ils prennent, c'est de leur faute, c'est pas la faute des joueurs, c'est ça le problème. Et là, ils vont essayer de gratter. Voilà. J'ai pas encore pris, par exemple, moi, j'ai pas encore pris Astrobot. J'aimerais bien le faire, tu vois. Mais là, j'ai tellement de priorités, il y a tellement de trucs qui sortent, il y a Epic Mickey, il y a Throne en Liberty en début octobre. Il y a trop de trucs, et puis le marathon, quoi. En général, tu trouves une TV OLED chez LG et Sony. Le modèle que j'ai, ça fait déjà pas mal d'années que je l'ai, hein. TV LG. 4K, elle fait le taf, hein. Ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai. Largement suffisant. Tu bouffes des paf. Tu bouffes des pâtes à vie. Ouais, bah c'est ça, hein. Tu sais, il y a des Allemands chez nous. Moi, je suis à la frontière allemande. Ils préfèrent s'acheter une grosse, grosse, grosse voiture et bouffer des pâtes toute l'année. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. On n'a pas tous les mêmes priorités, Mion. C'est ça le truc. Et là, comme l'a dit Dragon Fury tout à l'heure, c'est triste pour les gens qui n'ont pas les moyens, quoi. Et Jidan avait raison, hein, c'est pas les mêmes publics qui visent là. Hein. C'est, ils donnent le choix à toi voilà, toi de choisir, quoi. Mais pour moi, s'ils mettent un prix aussi excessif au lancement, la PS5 de base doit obligatoirement baisser. Pour moi, elle doit au moins de 70 euros, voire plus. Pour moi, un minimum. Concorde, une blague. N'en parlons pas. Sujet qui fâche. Les gars, j'ai vu des choses. J'aimerais le supprimer de ma mémoire, mais c'est pas possible. Attends, parce que les jeux prennent plus de place. Donc PS5 Pro, plus lecteur CD, plus SSD. Ils ont mis quoi comme SSD du coup? J'ai pas vu la taille du SSD du coup. Ah, effectivement, la question elle se pose aussi. Hein. Après, moi je suis partisan de la. Je fais partie de ces gens. Moi j'ai mon cousin qui avait pris disque dur, extra, extra gros, tu vois, grosse capacité. Il a claqué ça dans la PS5 pour mettre plus de jeux. Alors, moi généralement je fais mon jeu et je le supprime après. Tu vois. Peux me mettre, allez, limite 5 à 4 jeux, gros jeux max, quoi. C'est amplement suffisant. Je supprime, j'en installe un autre. Je sais pas. Il vient de confirmer que le lecteur coque est la même que la Slim et elle est à 120 balles. Donc c'est le même lecteur. On est d'accord. Ok. Merci pour la précision, Miu. Ok, ouais, donc, ouais. La PS5 Pro, il y a 2 Tera. Il y a des gens, il y a des gens. Il y a des jeux, ils font plus de 100 gigas, la Black Myth: Wukong, par exemple, moi sur PC. Il est énorme. Il est énorme. Regarde les ventes de la PS4 Pro, c'est ridicule à côté de la PS4. Hein. Ben ouais. Ben là, ça va être le cas aussi. Hein. On est reparti pour le même délire. Hein. Là, la 800 balles, c'est trop. Après la PS5, c'est 800 gigas de disque dur. Ouais, mais là aussi, tu vas payer une blinde pour ton disque dur SSD ultra rapide à 800 gigas. Hein. T'imagines pas le prix, hein. C'est cher, hein, les SSD de ce calibre-là. Ça a bien baissé, les SSD, mais quand même. Moi, je ne trouverais pas l'intérêt de changer de disque dur, en tout cas. Le lecteur, il va sûrement être en promo pendant les soldes type Black Friday. Oh, c'est complètement con, quoi. Complètement stupide, ça. 850 euros au total, lecteur plus support. J'ai acheté un SSD Gen 4 Corsair 2 Tera à 129 euros. Ça va.
Ça va. Ça a bien baissé, c'est vrai. Mais là, de terrain encore, tu vois, bon, ça va. Mais quand tu sais que la taille de certains jeux. Sinon, tu as le Crucial P3+, souvent en promo à 119 de terrain. Puis après, je me doute pas que tu trouves les disques durs pas très très chers, tu vois. Encore une fois, hein, ça vous paraît peut-être pas cher comme ça, tu vois, mais pour certains, bon, après moi je vous ai dit, je suis parti de ceux qui suppriment le jeu, qui le réinstallent au besoin, tu vois. Après, ça c'est le côté numérique, après, hein, le côté disque ou Blu-ray. Hein. Sony, ils refont l'ère PS3 pré-abusée. Ouais, parce qu'ils sont en perte. Là. Et ils commencent à se rendre compte que les éditeurs vont peut-être plus avoir d'exclus. Donc ils vont devoir maxer sur la vente de consoles. Mais encore une fois, s'ils n'ont pas d'exclus, et c'est pour ça qu'ils ont intérêt à faire revivre des licences en interne, si maintenant les éditeurs tiers décident de plus faire d'exclus. C'est ça le truc. Les éditeurs tiers ne gagnent plus d'argent là. 2 Tera, t'es large pour la PS5, sachant que que le SSD de base de la PS5, c'est 800 Go et pas 1 Tera, comme dit sur la boîte. Ouais. C'est ça aussi. Parce que ouais, tu comprends les. Ouais. Bon, de toute façon, on a déjà eu du bullshitage de Sony. Hein. Le truc du 8K, il me reste encore à travers la gorge, les gars. C'est honteux là. C'est honteux. Mais effectivement, il n'y a pas de lecteur. Les enflures. Moi, je me suis dit dans ma tête, mais attends, 800 balles avec lecteur, tu vois, c'était tellement obvious. Je me suis dit, ben non, en fait, non. Non. Ils ont osé. Ils osent, hein. Sony, c'est souvent le cas. Hein. La technologie, c'est subjectif. Si t'es fan et que c'est ta passion, tu vas mettre des sous. Si t'aimes bien juste comme ça, c'est normal que ça soit abusé. Si tu veux un gros système sonore, par exemple, de top qualité, tu mets minimum 2 000 €, mais tu peux te prendre des barres de son à 400 €. Ouais, bon, là, moi, comme je dis là, en ce moment, je suis dans un appartement, donc ça, je m'en bats les steaks. J'ai mon casque Bluetooth, ça me va très bien, ça fonctionne très bien, j'ai un très bon son. Voilà. Le 8K, c'est parce que la console peut supporter le 8K, mais tu n'auras jamais du jeu 8K. Oui, c'est ça. C'est juste l'interface. Je sais, je sais. Oui, mais quid de la taille des jeux? 100 Go maintenant, mais dans les années à venir. Je pense qu'il y a un barème à respecter, Sakae, je pense, quand même. Tu vois? Parce que là, en fait, du coup, la taille des jeux ne changera pas. Parce que les textures n'augmenteront pas. Normalement. Genre, imaginons, est-ce qu'il va y avoir des patchs PS5 Pro? C'est la question que je me pose. Est-ce que là, les textures vont être augmentées? Est-ce que ça va pas être fait artificiellement pour augmenter la résolution à base d'IA, justement? Donc, tu auras le même jeu, tu vois, où ils vont juste mettre de la technologie. Tant que les éditeurs tiers n'est obligé de bidouiller, si tu veux. Tu vois, je pense que c'est ça aussi le but. C'est là où il faut se poser la question. Parce que ça fait chier quand même pour le développeur qui doit se retaper, tu vois, la réhausse de jeu. Je sais pas comment ça va fonctionner pour cette gêne, tu vois. Ça va, c'est ça ce qui va être particulier aussi. Il y a beaucoup d'autres choses qui ne vont pas chez Sony. On est très loin de la gêne PS4. Ça va être plus compliqué pour eux pour la PS5. Si là, je te cache pas que là, ce move-là sur les 800 balles, c'est pas très cool. Le seul jeu, j'abuse un petit peu, on a eu Ghost of Tsushima, on a eu d'autres jeux techniquement quand même pas mal, tu vois, mais Ratchet and Clank, ce jeu était une baffe. C'est encore une baffe maintenant. On n'a pas eu d'équivalent techniquement, tu vois. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. La personne qui a leaké la PS5 Pro et PSSR a aussi parlé d'une nouvelle console portable Sony de la puissance d'une PlayStation 4.
On aimerait tous, hein. Mais encore une fois, Sakai, qui parle console portable, parle d'exclusivité, tu vois. Puissant d'une PS4, à part faire des rééditions de jeux en console streaming, tu vois, de refaire des vieux jeux, moi, j'ai envie de voir des exclusivités dessus, comme à l'époque, tu vois. La PSP, et ça, ce serait intéressant. Je veux juste pas avoir une console portable bis de la PS4, tu vois. J'ai pas envie que ça s'appelle PS4 portable. Dans les années à venir, tu auras du 2 Tera minimum dans ta console, donc ça restera pareil. Ou pas du tout, hein. Ou tu auras les jeux en streaming tout court. Ça aussi, c'est un débat, hein. Tu auras ton jeu en streaming à l'autre bout, dans un serveur interne, payé, où tu vas payer un abonnement pour pouvoir jouer à ton jeu en plus de payer ton jeu, quoi. Sony, alors, avec votre PS5 plus secteur Blu-ray, vous voulez une sodomie ? Ouais, c'est ça. Mais lubrifiant non fourni. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est simple, ça va être comme la PS4, tu vois, ouais, PS4 Pro, tu as ton jeu sur PS5, tu continues sur la même chose. Tu le prends sur PS5 Pro, tu auras l'image exprès. Mais ça, justement, peut-être pas. Parce que s'ils ont la technologie interne pour rehausser ton jeu sans que tu aies besoin de rajouter un patch ou des textures ou des trucs comme ça... Ce qui était, je pense, le cas, en tout cas, PS4, PS4 Pro, ou PS4, PS5, tu vois. Là, ce ne sera pas la même chose, parce que c'est la même architecture, tu vois. C'est la même console, c'est pas des remasters. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un remaster. Là, ça, ce sera confirmé, je pense... Sinon, après, je vous dis, il y a des spécialistes pour ça, on verra bien. Hein. La jeune PS4, il y avait déjà plein de douilles en 1, ouais. Comme partout. Ah bah ça, la PS Vita s'en souvient encore du manque d'exclusivité. Oui. Quel dommage. Quel dommage. Cette console, elle avait tout de... Elle avait tellement de charme, cette console. C'est vraiment un dégoût. C'est un dégoût pour la PS Vita. Moi, il faut supplément pour que ça passe en douceur, sinon ça éclaire. Ah oui, c'est ça, sûr, mais en termes d'exclus, on est très loin de la PS4, ouais. Aussi en full en streaming, ouais. Aussi full en streaming, ouais, c'est ça, ça va être ça, hein, tu vois. Ça, c'est le futur du jeu, hein, les gars. Si ça existera encore. Hein. S'il le tue pas avant. Bah, c'est normal, déjà la PS5 a perdu deux dans, avec la période de Covid. Et il faut environ 6 ans pour faire un AAA. Ouais, le truc du quadruple A, les gars, ça c'est Ubisoft qui a sorti ce truc, cette dinguerie là. Alors que les jeux, ils sont moins bons qu'il y a la gêne, que deux gènes précédents là. Et Ubisoft se fout de la gueule des gens. Comme les exclus Sony, les vrais jeux PS5, tu l'auras vers fin 2025, début 2026. Je suis curieux de voir le développement en interne de chez Sony qui doit être beaucoup moins long. Donc les Spider-Man, machin, je trouve que ça va, on n'en a pas là non plus, mais les jeux sont délivrés, tu vois, sous les 4-5 ans. Pour d'autres éditeurs tiers, c'est ce que Cerny l'avait dit il y a quelques temps, il a dit, il y a des éditeurs, ils abusent sur le temps de développement, qui est extrêmement long, Square Enix, tu vois. Donc, ça c'est aux éditeurs tiers de sortir les doigts du cul aussi. Après, est-ce qu'ils ont le soutien de Sony aussi? Il y a plein de questions que tu peux te poser vis-à-vis de ça. Hein. Plein. C'est surtout que les jeux sortaient uniquement au Japon. En soi, la console avait un bon catalogue. Ouais. Ma PS Vita prend la poussière dans un tiroir. Si tu savais tout ce que tu peux faire avec une PS Vita, Alba... Tu peux faire pas mal de petites choses sympas. Hein. J'ai vu, tu prends God of War Ragnarok, ça reste un cross-gen, mais ouais, c'est ça, mais la version PS5 est mille fois meilleure que la version PS4. Ça, c'est de la pure logique, Dylan, tu vois, c'est logique. Est-ce qu'on va enfin en finir avec la gen PS4 hein? Après, tous les jeux Sony sur PS5 actuellement, c'est des suites avec le même moteur, forcément, c'est plus rapide. Ils ont recyclé pas mal de choses. Ouais. Bon, mauvais move de Sony, vraiment, mauvais move. Là, le truc à 800 balles, c'était pas nécessaire. Là,
Et je vous ai dit quoi en début de stream? 750 maximum, tu vois. Je me suis dit. Huit cents balles, les gars. Sans le lecteur. Sans le putain de lecteur. Puis 120, puis t'achètes un disque dur externe, histoire. Puis je déjà 80. Ouais, non mais. Ouais, c'est. Ton emote définit bien notre sentiment, Miu. Ouais, c'est abusé, c'est abusé. Je vais te dire, Styx. J'ai peur maintenant du set of play. Ben justement, c'est à Sony maintenant de se démarquer. Et peut-être ils ont peut-être le soutien des éditeurs tiers. On ne sait rien en fait, les gars. On ne sait rien. Les développeurs, ils ont peut-être attendu que Sony annonce la PS5 Pro pour faire les dingueries. Hein. Après, ça, c'est mon côté optimiste. À plus, Mélanie. J'ai tout Sony depuis que je suis petit chez moi. Mais pareil, mes écouteurs, c'est du Sony. J'aimais bien les téléviseurs Sony aussi à un moment, tu vois. Bon, là, j'ai une LG, hein, mais. Stick, chafouin. Ouais. Toujours. J'espère que tu vas bien, Sony. J'ai tous les casques les plus chers, etc. C'est pareil sur les TV en soi. Elles sont équivalentes ou peu en dessous de LG, mais elles sont plus chères. Sony, ça a toujours été cher. Oh, j'ai une anecdote à sortir sur les premiers modèles 4K de chez Sony qui sont dégueulasses. J'en ai acheté un, je l'ai acheté cher à l'époque. Je l'ai filé à mes parents. C'est pas l'idéal. La dalle était dégueulasse, mais vraiment. Et après, je suis parti sur celle-ci. Après, il y avait eu un déménagement, machin et tout. Donc, bon, je me suis dit, bon, pas plaisir à mon père. Normalement, d'ici 1 à 2 semaines. Ouais, pour le set of play, ouais, normalement, ça sous peu, quoi. Mais encore une fois, je vous ai dit, hein, c'est peut-être les éditeurs tiers attendent que Sony dévoile cette fameuse PS5 Pro. On va l'appeler la PS5 Golden. ça va, Sony. PS5 Golden. Bon, les live Elden Ring et les compressions max, tu m'étonnes. Bon, moi, ce soir, je vais du coup live sur. On va lancer Dream Drop Distance, on va changer un peu les idées. Ça va me faire du bien, je suis trop hâte de commencer Dream Drop Distance, les gars. Ils ont donné la date, j'ai pas fait attention. Ben, moi non plus, je sais pas pour les set of play. Hein. Je crois pas qu'il y a de date encore officielle, mais ça devrait pas tarder à tomber. Non, y a pas de date, ouais, je confirme. Bon, voilà. Hein. On a fait le tour de cette PS5 Pro. Ah, les gens, ils sont vénères, là, 800 balles. 800 balles sans lecteur, putain, quelle époque. Ben ouais. Je vois des choses sales, là. Ah, ils vont se faire déchirer. Ils savent qu'ils vont se faire déchirer. Hein. Ils savent qu'ils vont se faire déchirer. Maintenant, je suis curieux de savoir si justement, parce que là je vois Final Fantasy VII Rebirth supportera le PS5 Pro Enhanced, donc amélioré, qui a été annoncé aujourd'hui. Mais du coup, est-ce que ça s'applique pour tous les jeux? C'est la question que je suis en train de me poser. Si tu achètes ta PS5 Pro, est-ce que quand tu mets ta galette, enfin quand j'allais dire galette, si tu achètes un lecteur externe à 130 balles, est-ce que tu pourras bénéficier de cette update sans patch, sans rien, avec cette upscale, avec l'IA? C'est la question que je me pose là. J'ai pas pu suivre le marathon avec tout ce que j'avais IRL. Ouais, y a pas de soucis, c'est t'inquiète. Je comprends. La PS5 à bout de la thune. C'est ça. Ah là là là. Si c'est comme pour sur PS4 Pro, sachant qu'il y a une PS, qu'il y a le PS, PSR. Ah, le PSSR, pardon. Là, tu vas avoir un boost. Mais s'il y a un boost, tu vas voir la différence.
Les gars, là-dessus, ça va être une question. Et du coup, la date, c'est quand? Le 7 novembre, les gars. J'avais craqué pour la PS5, j'ai réussi à en avoir une, les gars, alors que c'était galère. Je me rappelle, on avait fait un unboxing aussi dessus. J'étais tout content. Mais là, j'ai un gros doute. Il faudrait que dans le laps de temps, ils annoncent Kingdom Hearts 4 avec exclusivité, boost, machin, bidule. Là, je peux craquer. Mais paye ton Kingdom Hearts 4 upgradé, machin, machin. Mais ça peut être intéressant à... Moi, je pense que Square Enix a attendu peut-être cette annonce de Sony aussi, hein, pour parler de KH4. Hein. C'est bizarre quand même ce silence. C'est les mêmes dates que pour la PS4 Pro. Tous les jeux PS4 Pro. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais là, tu vois, Rebirth est déjà sorti, tu vois. Ils vont pas ressortir Rebirth avec, tu vois, une boîte pour Rebirth avec PS5 Pro. Tu vois ce que je veux dire? Le 7 novembre, ouais, la sortie de la PS5 Pro, donc c'est le 7 novembre, les gars. 7 novembre, on est tous en négatif à la banque. On est tous à la câble. Ouais, tu l'as lu 800 boules, mais 2 terrages, on va dire ça aussi. Il faut une remise en question là de chez Sony auprès des joueurs. Ça dépend. Je comprends leur stratégie sans être d'accord. C'est ça qui est dingue en fait. Je comprends qu'ils donnent un modèle haut de gamme contre un modèle, tu vois. Après, c'était un choix. C'est le capitalisme, les gars. C'est ce que font les Chinois avec ton Samsung et ton iPhone et. Voilà, c'est le même principe, les gars. J'ai dit, hein, il y a des choses qui pourraient me faire craquer. Ouais, la strat, je la comprends. Mais le move n'est pas bon, quoi. Mauvais move, les gars, mauvais move. Normalement, ouais, de ce que j'ai compris, il n'y aura pas de DLC. Sauf si, voilà. Exclusif PS5 Pro, les gars. DLC FF7 avec un truc en grade. Paye ton DLC à 800 balles. Ouais, mais les gars, hors de question que je me retape Rebirth. J'ai bien aimé, mais je suis désolé, les gars. Impossible. Là, c'est comme FF16. FF16, je l'ai refait 3 fois. Juste pour avoir Ultima, là, machin. Parce que je déconnais ou des trucs comme ça, voilà. Non. Non, non, non. Et Rebirth, je vous cache pas que refaire. Non, non. 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 J'ai bien aimé, mais une fois m'a suffi vraiment. Et tu peux me vendre le rehaussement que tu veux. Même sur PC, je me referai pas Rebirth. Normalement, je pense que je me referai pas. Juste l'histoire, c'est tranquille en vrai. Ouais. Il y a des bons passages. Là, j'ai envie que Square Enix se focalise sur Kingdom Hearts. Ce sera. Voilà. Intergal, ils ont mis un an avec
Pas beaucoup de monde, sachant que là, ils vont sûrement recycler tous les décors. Hein. Le problème, t'en bouffes trop de FF là. Il faut impérativement qu'H4 qu'il se montre vite. Ouais, non, mais je suis d'accord. Il faut que Square Enix là change un petit peu de crèmerie et faire plaisir un petit peu aux autres aussi. Dragon Quest et nous. Dans quelques années peut-être. Coucou King. Il faut qu'on ait l'année. Ouais, faut que ce soit notre année de toute façon. Il faut. Là, je vous ai dit, hein, si on pourrait espérer que KH4 soit vendu comme quelque chose par rapport à la PS5 prochaine. J'en avais déjà parlé il n'y a pas très longtemps, mais. Donc, H, il vaut mieux qu'ils prennent le temps et que tu auras un jeu de qualité. Regarde à Rebirth, techniquement, c'est 0 et de chez 0. Si KH4 sort avec le même niveau que tu vas dire, c'est honteux techniquement. Jidan, pour moi, c'est sûr que Kingdom Hearts 4, en tout cas, c'est mon souhait, sortira avant Rebirth, enfin la partie 3, pardon, de FF7. Si tu comptes le début du développement de KH4, je lui donne encore un grand max 2 ans avant sa sortie. C'est mon souhait, en tout cas. Là, ça n'a plus rien à voir avec de la technique en se disant oui, tu auras un jeu. Je pense que là, ils ont eu un temps de développement décent pour sortir quelque chose de décent, justement. C'était le but, hein. C'était le but de l'Unreal Engine 5, de pouvoir améliorer la rapidité du développement, etc., etc., etc. Maintenant, ça dépend pas de nous. C'est Square Enix, encore une fois, hein, les gars. Hein. Nous, on peut que lancer des plans sur la comète. Et voilà. On peut que espérer, se dire et spéculer, c'est tout. On n'est pas dans les petits papiers, on n'a rien, on n'a aucun élément. Par exemple, sur les accords entre Disney et Square Enix, machin, tout ça. Vous voyez, nous, on est largués. Et c'est nous qui payons ces gens. C'est ça qui est ouf, hein, les gars. C'est nous qui payons ces gens. C'est notre argent, les gars. Je sais que vous me détestez quand je dis ça à chaque fois. Un AAA, c'est 6 ans minimum. Et FF7, il vampirise 6 ans minimum. Pardon, il vampirise tout chez SE. Et il pourrit tous les jeux à côté. Plus, ils veulent finir FF7 rapidement. Mais ça, c'est vous qui le dites, les gars. On n'a jamais, nous, on n'a pas eu clairement de volonté de dire il faut sortir le jeu rapidement. Là, dernièrement, ils ont dit oh, bah, on a envie de passer sur l'Unreal Engine 5 pour FF7. La dernière partie. Et ils ont dit qu'il n'y aura pas de news de FF7 partie 3 avant l'année prochaine. En 2025. Donc, si tu tables une communication en 2025, tu pourrais tabler sur du 2026, tu vois. Et pour moi, il faut sortir cash un peu avant ou à la même date, mais avant. Pour maximiser les profits. Et laisser le temps aux gens de faire KH4. Ils l'ont dit ça clairement, Jida. Moi, je suis pas au fait des dernières. Faudrait que tu. Est-ce que tu pourrais me poster l'interview, s'il te plaît? J'ai ça, je l'ai pas vu, par exemple. Tu vois, qu'il voulait terminer rapidement. Ils l'ont dit dans une interview qu'ils veulent finir rapidement avant Rebirth. Qu'est-ce qui empêche de faire de la com sur FF7 et KH4 en même temps? C'est ce que je dis. Faudrait que les dates soient pas trop proches ni trop éloignées. C'est pas faisable. C'est pas faisable. Tu peux faire KH4 et la même année, genre. Ouais. Alors là, les gars, il faut que tu me ressortes ça. Je me rappelle pas ce qu'ils avaient dit qu'ils avaient envie de terminer vite FF7. En tout cas, moi, ça m'étonnerait qu'un développeur dise j'ai vite envie de terminer, tu vois, mon jeu, quoi. Enfin, ma série, tu vois. Deux jeux en trois parties. C'est possible après, hein.
Ils ont jamais dit qu'ils veulent en finir rapidement de FF7. Oui, et puis on n'est pas à l'abri que l'univers continuera après FF7, les trois parties. Hein. Pour moi, c'est fin 2026, KH4. Ah, moi, je pense que ça pourrait être plus fin 2025, King. Et peut-être limite début 2026, tu vois. Je pense. Parce qu'encore une fois, je vous ai dit, hein, s'il n'y a pas le triple A entre-temps, tu peux pas rester là, 2025, et la dernière partie de 2024, là, sans rien. Non, ils auraient déjà fait la com pour fin 2025. Ça peut encore le faire, hein. Elle dure combien de temps une com Regarde, le cas FF16, la com est venue tardivement. Et il est sorti quelques mois après la com. Hein. Ils ont eu un silence radio pendant un certain temps. Minimum un an. Calcul. Si, après, ça dépend de quand ils vont commencer la communication, tu vois. Trois ans FF16. Ouais, mais on a eu une annonce et puis il y a eu un blanc pendant longtemps. On est d'accord, tu vois. Et puis après, ils ont commencé à parler du jeu, tu vois. Mais on n'a pas eu 3 ans de martelage de FF16. Il y a eu le teaser en live anniversaire, puis après ils ont accéléré 1 ou 2 ans après. Faudrait regarder sur les timings. Hein. Après, encore une fois, hein, moi je suis. Là, c'est pas de l'impatience en me disant, bon, après, là il faut y aller, quoi. Tu vois, là je pense que les gens ils commencent un petit peu à désespérer. Voilà. C'est ce manque de communication chez Square Enix qui est un petit peu décevant pour certaines communautés, quoi. Encore une fois. Mais cool. Bon, PS5 Pro, c'est vraiment dans le cululu, hein. À part si vous avez des actions chez Rothschild. Teaser, pour moi, ça compte pas. C'est vraiment à partir du premier trailer que ça commence vraiment la com pour moi. On n'est pas à l'abri d'avoir un trailer là, incessamment, sous peu, King. Hein. Surtout après 2 ans de développement, sans rien. T'es d'accord avec moi? La communication est tellement particulière, c'est que là, on est en train de débattre sur le temps de développement, les gars. C'est ouf. Sur les temps de latence entre l'annonce, les trailers et tout ça, quoi. On les. Tellement chien. DK12, ça fait 3 ans sans news, effectivement. Dragon Quest et Cash, c'est les grands oubliés de Square Enix. Hein. Teaser, tu as un petit truc, mais c'est pas une grosse com. Non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais là, à ton avis, est-ce que le prochain, ce sera un teaser ou ce sera une bande-annonce? Moi, je me rappelle, hein, FF16, ça a été une communication vraiment avec des petites pincettes au début. Pendant un long moment, ils n'ont pas communiqué. Et puis, boum, ils ont lancé un truc voilà, où là, il y avait une définitive version. Tu vois que c'était voilà, au petit, quoi. Donc, ce sera peut-être un H4.
nous faire sauter de notre chaise, mais tellement, moi j'ai envie, les gars, on est en manque de ça en fait, on n'a plus ça, on n'a plus. Après, il y a les Game Awards, je pense que les Game Awards sont plus susceptibles de nous montrer KH4. Excusez-moi. Donc ouais, apparemment tu as un jeu à peu près tous les ans pour des cas, même si c'est le tout petit jeu. Ouais, c'est vrai, eux, ils ont encore des jeux mobiles et des machins à côté, quoi. Et là, il va y avoir un autre DK, là, qui sort, non ? Un remaster, je sais pas quoi, là, non ? Je suis désolé, je suis pas très, très au courant de Dragon Quest, hein. Et oui, le prochain, ce sera un thriller de KH4. 2 ans sans communication, t'es obligé de lâcher une bande-annonce, hein. Enfin, pour moi, en tout cas, et là, la com commencera, ouais. Pour moi, je pense. Parce que je peux comprendre qu'ils ont tout à faire aussi à côté, tout le merchandising, tu vois, le côté développement, la musique, machin, tu vois, tout ce qui est en dehors du développement, tout ce qui est le doublage, machin, tout ça, c'est aussi un sacré boulot. Go aller à Disneyland Paris, en vrai. Ouais. Ouais, DK3, HD, 2D, là. Oui, voilà, merci. Désolé, je suis pas très au courant. Dragon Quest. Yes. Ben voilà, la PS5 Pro. Je pense que je mettrai la vidéo là sur YouTube. C'était sympa de faire ce petit live quand même, discussion et découverte. J'ai bien aimé. On a bien discuté. On a remis quelques petits trucs. Voilà. On a toujours les mêmes discussions depuis 2 ans là. En l'attente de cash, quoi. C'est frustrant, les gars. Ça commence à être très très frustrant. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y a eu le jeu d'Ai de Dragon Quest. Ah, je suis désolé, j'ai perdu le nom. Hein. Fly, ouais, c'était Fly chez nous. C'est une tuerie, Fly. Puis là, j'ai vu, il y a une grosse censure par rapport à un personnage que Toriyama avait designé. Square Enix a... Dai, ouais. La quête de Dai, c'est ça. Dai no Dai Buken. Quête de Dai, anciennement Fly, oui. Ah, nostalgie, Fly. Yes. Ah, je vois des trucs, les gars, sur Twitter, c'est d'une tristesse. Les rides qui commencent pour Six, ah, mais ouais. Ah, je confirme, hein, les gars, c'est pas que les rides. Hein. J'ai pris du poids aussi. L'âge. Plus de stress. Plus je vieillis, plus je stresse, les gars. C'est pas bon signe. Ça dénonce sur Twitter et heureusement il faut, mais ouais, mais totalement. Je ne peux que être d'accord avec ce qui est dit là. Hein. Là, moi j'ai vu. Nous sommes arrivés à un point où les différences entre la PS5 et la PS6 ou entre la Nintendo Switch et son successeur ou toute autre console dans un futur proche en termes de graphisme ne seront probablement que minimes, à part quelques améliorations ici et là. Je suppose que c'est l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Voilà, les gens, ils sont résilients à se dire, bon, ben voilà, c'est comme ça. À l'époque, on avait des baffes. Souvenez-vous, GameCube, machin, Nintendo qui faisait les coques en se disant, regardez notre Zelda, ce qu'on peut faire, machin et tout. Moi, j'aimais bien ça. Parce qu'il y avait cette petite hype, tu vois, qui te faisait rêver. Sonic Adventure sur Dreamcast. Le truc, à l'époque, moi, ça m'avait mis une telle gifle. J'étais surpris. J'étais agréablement surpris. Ça me donnait envie de l'acheter, tu vois. Et beaucoup ont passé le pas, justement, à cause de Sonic Adventure, tu vois, en se disant... Waouh, tu vois, c'est impressionnant. Et là, on se fait littéralement vraiment avoir, quoi. Pour moi, le scandale, c'est Fantasian, qui n'aura pas d'être à défaire, pardon. Est-ce qu'il en avait une sur jeu, sur...
Sur l'Apple Store, là, est-ce qu'il avait une traduction? Je ne crois pas, hein. Bah, sinon on l'aurait. Les abus, peu de gens vont l'acheter. Tu parles de quoi, King? Non, sur mobile en plus. Ok, d'accord, bon, bah, dans le cul. Bah, je l'achèterai pas, du coup. Triste. On va dire à Sakaguchi que. On parle pas tous anglais ou japonais. Après, nous, notre génération, on a connu tout le boom technologique. C'est pas comparable et il y avait encore un ratio patient-fric équilibré. Là, on n'a que du fric. T'as résumé le truc. Là, c'est devenu vraiment. Je le disais déjà il y a quelques temps, même ça fait quelques années déjà. C'est devenu un produit de luxe. Le jeu, c'est devenu un produit de luxe. Et il s'attaque à ce plaisir que nous, on a encore, en essayant de le modifier, que ce soit structurellement ou scénaristiquement ou visuellement, tu vois. Ils essaient vraiment de tout détruire pour qu'on n'ait plus, en fait. Hein. Les gars, il faut pas oublier que c'est nous qui créons la richesse. Et c'est ça qu'ils oublient en fait, c'est que sans nous, ces richesses-là ne peuvent pas être créées, tu vois. C'est ça que moi me frustre, c'est qu'on arrive vraiment dans une période où ce qu'on produit n'est plus accessible en fait, tu vois. Il y a un côté idéologique, mais les gars, c'est un débat ça, les gars. Hein. C'est vraiment un débat très très profond. Qu'on va pas avoir là, mais un jour, les gars, si j'aimerais bien en parler, moi, que ce soit sur ma chaîne, c'est un débat vraiment très très intéressant. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Parce que là, ils attaquent pas que le porte-monnaie, ils attaquent aussi certains jeux, idéologiquement parlant. C'est une dinguerie. Et là, le cas Concorde est le parfait exemple, c'est le stigmate de ce qui se passe ces dernières années. Alors oui, dans les jeux SNES, c'était 750 francs à l'époque, ou 650 francs Majora's Mask. Ça a toujours été un petit peu cher, surtout les jeux Nintendo, on va pas se mentir. Mais je sais pas comment te dire ça. Non, là déjà, le fait d'avoir des jeux à 80 balles. Déjà là, ça c'est l'erreur, ça. L'erreur. Si tu comptes en euros avec l'inflation, ça fait plus de 100 euros le jeu actuel. Tu parles de l'époque, hein. En francs. Après, tu comptes la majoration de l'euro au franc, c'était pas la même chose. Même la PS2, 3000 francs à la sortie, c'est quasiment 500 euros sans l'inflation. Ben, 500 euros encore, moi je trouve ça raisonnable du coup maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un débat très très compliqué. C'était plus cher en vrai, mais on n'avait pas la même vie. Non. On n'avait pas la même vie et on n'avait pas les mêmes conditions. À l'époque de mes parents pouvaient se payer encore une voiture, une maison ou des trucs comme ça, tu vois. Nous, actuellement, on peut plus. Donc nous, on vit à crédit, à machin. C'est dur. C'est dur. Comme l'a dit, hein, on va manger des pâtes. Bah les gars, achetez-vous une PS5 Pro et vous mangerez des pâtes pendant 1 ou 2 ans. Voilà. Oh là. Ma caméra, elle nous a fait une saturation de. Tu vois, moi je serai au marketing chez Sony. Je ferai comme ils ont toujours fait, vendre la console à perte, mais j'augmenterai le prix des jeux. Ben là, on se retrouve avec les jeux chers et la console chère. Le lecteur cher, là, le coût du lecteur, ça c'est de l'entubrie.
À l'époque, ils avaient raillé Xbox pour le côté, justement, on s'échange le jeu, tu vois. Et là, ils nous suppriment les lecteurs pour qu'on puisse se payer à côté, quoi. Tout ça pour favoriser le numérique, le digital, pour enlever le physique. C'est que ça, hein, l'objectif. Hein. On survit maintenant, c'est ça. Et pourquoi ils le font, à ton avis? Parce qu'ils ont zéro concurrence. Bah maintenant qu'Xbox veulent développer sur... Ouais. Mais bon, c'est un mauvais move quand même. Ça n'excuse pas, tu vois. Ça n'excuse pas Sony pour le geste, là. Maintenant, on va voir Nintendo ce qu'ils vont annoncer. Ça va faire peur, hein, la Switch 2, là. Moi, ce qui me pose problème, vraiment, bon, on va terminer là-dessus le live. Moi, ce qui me pose problème, là, c'est pas d'avoir une PS5 Pro, c'est qu'on n'a pas les jeux optimisés pour les consoles. On mériterait d'avoir des Ratchet & Clank, là, maintenant, tu vois. Avec les années, là, qui sont passées, on n'a toujours pas de jeux. C'est pas normal. C'est pas normal. On a eu des pépites... Mais pas assez pour moi, pour en tout cas la génération PS5. Après, il y en a beaucoup qui vont me dire « Oui, mais t'as vu tous les jeux qui sortent. » Effectivement, tu peux te retrouver avec un backlog immense, tu vois, si tu veux. Mais après, moi, je ne joue pas à tout. Je suis très sélectif, moi, dans ce que je joue. Il y a des genres, en tout cas, qui sont en perdition. Il y en a d'autres qui sont mis en avant, alors qu'ils ne devraient pas être mis en avant et qui vont mourir... Dans la semaine, Concorde. Tu vois, c'est honteux, en fait, ce qui se passe. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est plus pareil, c'est plus pareil. Ça me gave. J'en veux à Square Enix, j'en veux à Sony. Là, c'est aussi au Japon de se réveiller, je pense. Il faut un réveil japonais. Parce que là, on est en train de se faire bouffer, en fait. Hein. Vraiment, les gars. Alors, mais la console déjà, la Switch OLED, le vrai prix, c'est 359€ pour le matos de 2012, parce que Nintendo, ils font toujours de la marge sur les consoles et les jeux, contrairement à Xbox et les PS, ouais, c'est vrai. Hein. La Switch 2, ça sera à 439€ minimum, par contre, eux, l'avantage, c'est que la Switch s'est tellement dépassée que prendre du matos de 2020, ça fera un gap de ouf, et les composants sont moins chers. On va se retrouver avec une PS4, ouais. Pro, peut-être à la limite. Hein. Putain, Bloodborne reste encore une belle claque maintenant. Il faudrait juste qu'il ait le 60 FPS et... PS5 Pro, les gars. Et là, je suis d'accord avec toi, Miu. Une rétrocompatibilité aurait été vraiment, vraiment cool. Là, ça aurait été un geste pour les joueurs de pouvoir mettre ta galette PS2, PS3, PS4 dans la console et que tu joues à ton jeu. Voilà. Là, ça aurait été vendeur. Mais... Les Japonais sont à fond Nintendo, ouais, et téléphone portable aussi. Smartphone. Ça a changé hein, la mentalité au Japon. Bah, moi, je dis ce qu'il va y avoir du TLSS hein, avec la Switch 2, ouais. Bah, merci à toi, Jidan, d'être passé. C'était vraiment cool. Ouais. On a eu une bonne discussion. J'ai toujours ma PS4 Pro cash. Ça, c'est propre. Faut garder. Garde-la. Elle vaudra pas mal plus tard. Et les Japonais ont très mal pris d'être les derniers à avoir la PS4. C'est vrai aussi, il y avait ça. Pouah. Ah mais la transition PS3 à PS4 pour les Japonais, ça a été un enfer. Un enfer, ils n'ont jamais réussi à la transition. Ça a été épouvantable. Épouvantable. Alors que c'était eux les kings, tu vois, du développement sur console. C'est eux les rois, quoi.
Et là, ça y est, la Chine, elle gagne du terrain de plus en plus. Hein. Moi, vraiment, les gars, autant j'adore les. Je vous l'ai dit, hein, les deux derniers jeux préférés, c'est pas des Japonais, quoi. Normal, les anneaux, que tu aimes ou pas, ils font des jeux à gameplay. C'est l'essence même du jeu vidéo. C'est pour ça que ça fonctionne. Plateforme, si tu veux, ouais. Ce qui manque réellement chez la concurrence, effectivement. C'était pas faute Microsoft d'acheter Banjo et Kazooie et compagnie, d'acheter Rare et de ne pas avoir surfé sur le truc. C'est des abrutis, hein. De toute façon, ça, on sait. Hein. Sony, là, ils ont compris avec Astro Bot. J'ai envie de le faire, les gars, mais j'ai pas le temps. J'ai toujours Black Myth Wukong à terminer. J'ai pas terminé, les gars, j'ai pas avancé. Je maxe mon temps sur le marathon, hein. Et les montages après sur YouTube. Hein. Les choix, les gars. Normal, Nintendo, que tu aimes pas, ok, donc ça j'ai lu. Astro Bot, incroyable, et il est pas si long. Tu me donnerais presque envie, là, de rebrancher ma PS5. J'ai pas branché ma PS5 depuis un bon moment. D'ailleurs, ceux qui peuvent voir mon profil sur le PSN, les gars, ça fait combien de temps que je ne suis pas connecté au PSN? Ah, ça doit faire un petit moment. Une console fabriquée au Japon, et il sort en première chez les cow-boys. Ouais, ouais. Je l'ai dit, hein, depuis qu'ils ont déménagé les bureaux en Californie, c'est la déperdition pour Sony. C'est fini. La fermeture de Japan Studio, c'était l'erreur à ne pas faire. Vraiment. Là, ils ont intérêt, les Japonais, à reprendre les rênes. Pour moi, c'est une importance capitale pour le jeu vidéo. Vraiment. Et là, Microsoft se penche sur le succès d'Astro Bot pour sortir des bons jeux Crash, Spyro et exclusif Xbox. Ouais. Sakae, sur Sony, chez Sony aussi du coup. Parce qu'apparemment les exclusivités Xbox n'existeront plus. Ce sera disponible sur PC, PS5, peut-être même la future Switch si tu veux. Va savoir. Les partenariats qu'il va y avoir dans le futur, va savoir. Et c'est ce qui va jeter un flou en fait, le fait de ne plus avoir d'Xbox. Ça va créer un dérèglement tel... Et c'est vrai, là, Sony se permet de sortir une console à 800 balles, quoi. C'est parce qu'ils savent que derrière, Microsoft ne répliquera pas. Ils ont pas, là, le catalogue, les moyens, ou... Ce serait quand même bien pour certains jeux qui vont sortir, je pense à Fable, je pense à certains trucs. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est la question. Bon les gars, je vais arrêter le stream là, je reviendrai peut-être plus tard pour lancer Dream Drop Distance, ça sera cool de faire un premier live dessus. Je vais déjà installer le jeu, j'ai toujours pas, c'est vrai que c'est plus de 1.5 plus 2.5, c'est l'autre compilation là. Il est où mon Steam? 2.8 là. J'ai très hâte pour Spyro 4, ouais. C'est cool aussi. Moi, je suis hype là quand même pour Disney Epic Mickey et Rebrush, qui a l'air vraiment, vraiment très, très cool. Bon, ça, toi, du coup, je vais te désinstaller, mon petit 1.5 plus 2.5. Adieu. Et bonjour 2.8. On va te mettre où? Ok. Imagine la Chine sorte leur console. C'est pas impossible, mais je ne pense pas. Parce que il faudrait l'appui de l'Occident pour que ça marche, en tout cas, tu vois, dans le monde. Ce serait compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as vu qu'il va y avoir un spécial genre Avenger des jeux chinois là, hein. Genre Stellar Blade, Black Myth, machin, Lies of P, compagnie, là, un héros machin spécial jeu chinois là.
Croc qui va être remasterisé. Ça, c'est un jeu, ça. Oh, j'en ai passé du temps à l'époque sur PlayStation. C'était cool, Croc. J'ai de bons souvenirs dessus, c'était mignon. Ah, la plateforme à l'époque de PlayStation, c'était quelque chose. C'était quelque chose. J'ai très hâte pour Spyro avec Croc, ouais, ouais, ouais. Ah là, là là, les gars. Il se passe trop de trucs, là, c'est une dinguerie. Je savais pas non plus, Miu, je savais pas pour Croc. Ah, la nostalgie, mais ouais, mais ouais. Moi, je suis un vieux, moi. Donc, j'ai connu cette période, ouais, je me souviens, où, bon, c'était pas bien le piratage, mais... la PlayStation 1, mon dieu. Elle y est passée, hein. Ouais, quand je retournais ma console pour que la lentille lise le CD et tout, c'était... Oh là là. Ah, j'avais des jeux de piles comme ça, là. J'avais un ami de mon père qui faisait des copies, machin, c'était... Oh là là. Que de souvenirs. J'aimerais juste qu'ils essaient de faire d'autres genres. En vrai, la Chine. Pour le moment, c'est un pari gagnant. Mais effectivement, j'ai vu qu'il y avait quelques trucs différents, mais ouais. La puce PS, la puce S, ouais. Je crois que j'ai joué sur Sega Saturn. C'était sur Sega Saturn aussi, Croc. Je crois que c'était sur Sega Saturn. Je crois pas. Ah si, il était sur... Oh putain. Moi, je pensais que c'était une exclu PlayStation, moi. Mais non. Bon, ben, je viens d'apprendre un truc. Putain, effectivement. Mais non. Ah bah du coup, moi, je l'ai pas fait sur Sega Saturn. Hein. Oh, il y avait plein de pépites sur PlayStation. Il y avait plein de pépites. Bon moment, tac tac tac. Il faut qu'il fasse des Souls. Qu'il fasse que du Soulsac. Même si j'aime beaucoup. Mais moi aussi, c'est ça le problème. Ah, je t'ai dit, moi après Lies of P, je suis conquis, hein, les gars. Moi j'attends juste le DLC de Lies of P, là. Hein. Je suis hypé de ouf. Et puis apparemment, ils ont fait des recrutements massifs, là, pour un open world, apparemment. Quelqu'un qui sait gérer les open world, en tout cas. Ils cherchent quelqu'un. Hein. Ah pour moi, en tout cas, le studio va augmenter ses effectifs, ça c'est sûr. Pour développer des plus grands projets, quoi. Et ça, c'est cool, hein. Franchement, c'est une très bonne chose. Mais là, les Japonais, il faut qu'ils y aillent, quoi. Ça commence à devenir compliqué, là. J'ai très peu joué à la Sega Saturn. Très peu. J'avais des consoles Sega, mais... Je me souviens de ma Game Gear là. C'était vraiment trop bien ça. Avec les piles et tout là. Il y avait des trop bons jeux dessus. Sonic, il y en avait plein des bons. Si c'est bien géré comme Elden Ring, ok, bah je pense que c'est ça qu'ils visent en fait, King. Ils veulent leur Elden Ring. Hein. Tu le sens. Parce que honnêtement, techniquement, Elden Ring. Elden Ring ne demande pas beaucoup. C'est visuellement et artistiquement que le jeu se démarque. Comme Bloodborne, les paysages, tu vois, les décors fantasmagoriques, la machin qui sortent de l'univers Lovecraft, c'est de mettre en place ça sur les jeux, c'est pas le plus compliqué. Après, il faut avoir le côté artistique qui fera la différence, ça c'est sûr. Et maîtriser après ça, hein. Après, ça, le souci du détail aussi, hein. Tu vois, From Software, ils ont quand même fait un sacré boulot. Les 6 piles qui partaient à une vitesse. Ouais, ouais.
Avec la Game Gear, ouais, j'ai de mauvais souvenirs aussi avec les piles. Hein. Ah là là, c'était quelque chose, c'était quelque chose. Bah, ça me rend nostalgique là, tu vois, de rien d'en parler, ça fait remonter des souvenirs et ça me replonge des années en arrière. Hein. Et ouais. C'était le bon temps. On parle de vieux trucs, regardez. Le rétro, il revient aussi à la mode. Pourquoi? Parce que ben, les autres, ils font de la merde. Et du coup, ben, nous, on est là et on est nostalgique d'un passé. Faut pas s'étonner après. Hein. Après, on a eu quand même des belles pépites hein, ces dernières années. On a eu des sacrés jeux. Hein. Je parlais peut-être pour un aigri de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. On a eu beaucoup de jeux. On a eu beaucoup de jeux. Il y a eu des bons trucs. Mais tu sens qu'il y a un couac quelque part, tu vois. Bon, les gars, je vais vous laisser là. Je pense revenir peut-être vers 20h pour Rim Drop Distance, du coup. Les premières Game Boy à pile, ouais. Oui, bien sûr. Elden Ring reste encore quelque chose qui n'a pas été, on n'a pas vu un équivalent aussi bien fait, en tout cas visuellement, et sur la verticalité aussi, qui est très intéressante. En tout cas, sur le DLC, la verticalité était vraiment cool. J'ai vraiment kiffé. Donc moi, j'imagine, hein, tu mets de Lies of P dans un univers à la Elden Ring, je suis conquis, les gars, je suis conquis. Let's go. Ah, moi je suis happy pour le marché chinois aussi maintenant. Quelque part, ils vont supplanter. Quand ils arriveront à faire des scénarios aussi travaillés que comme Lies of P et comme les Japonais savent faire avec leur RPG, ça va faire mal, les gars. Ça va faire mal. Parce que je pense que c'est ce qu'ils cherchent aussi, c'est à supplanter le marché japonais. Ils essayent de. Yes, bon les gars, je vais vous laisser là. Je vous dis à tout à l'heure, 20h pour Drip Drop Distance. J'ai trop hâte, ça fait longtemps. Je kiffe ce gameplay. Ça va être un pur plaisir de le refaire. Hein. Donc rendez-vous à 20h. Je vous fais des bisous. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Et à plus tard. À plus. Bientôt Lies of D. On ne sait pas encore. Ça va être intéressant, mais j'ai kiffé. Allez, des bisous. À toutes.